Salut tout le monde, c'est Lou, c'est l'heure de l'unboxing Playmobil. Découvrons ensemble le 23e numéro de la collection des métiers Playmobil, édité par Altaïa. A chaque fois, un livre en couleur de 32 pages et un cliqué sur un métier particulier. Toutes les infos sur l'abonnement sont dans la description, alors à vous de jouer. Allez, on découvre notre numéro 23, les facteurs. Et coucou Marie Colly, notre gentille factrice Playmobil. Plus gentille que les facteurs qui bloquent ma boîte aux lettres lorsqu'ils me livrent mes exemplaires de cette collection Altaïa. Ça arrive une fois sur deux alors que j'ai mis un mot, ça me fatigue. Bref, revenons plutôt aux facteurs Playmobil. Et sachez au passage que le premier est apparu en 1979 dans le 7-3231. Cela fait donc longtemps que nos cliquises reçoivent le courrier. Alors, observons notre amie Marie Colly de plus près. Et j'aimerais tout d'abord commencer par sa tenue de travail très sympa qui sort un peu de l'ordinaire avec ses petits détails simples mais efficaces. Le col, la forme de la veste, la pochette, les poches sur le pantalon souple, avec tout ça, on s'éloigne plutôt du style parfois trop classique des figurines de cette collection Altaïa. Pour la tête en revanche, c'est basique, avec toutefois un peu de maquillage pour Marie Colly et bien sûr la casquette jaune. Marie Colly nous vient avec un petit panier jaune lui aussi, lui permettant de transporter toutes les enveloppes, un lot de 3 que les cliquises peuvent bien sûr tenir dans la main. J'espère que ce ne sont pas des factures, hein. Allez Marie Colly, remballe ta taxe d'habitation, merci pour le courrier. Une figurine très sympa en tout cas, je la trouve toute mignonne. On va maintenant s'intéresser au livre de 32 pages qui suit à chaque fois le même découpage. Une séquence pour découvrir les différentes missions et facettes du métier, des événements historiques et des portraits, une bande dessinée et des jeux. Avant d'ouvrir, remarquez le dessin sur la couverture, on voit notre factrice préférée prête à livrer le courrier à la maison transportable 5951. Allez, sans plus tarder, on va maintenant ouvrir ce livre illustré pour pouvoir découvrir ensemble son contenu. Les premières pages nous présentent le travail en agence postale et la tournée des facteurs qui remplissent nos boîtes aux lettres, et c'est un travail minutieux. On découvre ensuite l'envoi de courriers urgents qui nécessitent une attention particulière. Puis on plonge dans l'histoire des Chasquiincas, d'excellents messagers qui, grâce au relais, pouvaient envoyer des messages à 300 km en une journée. On retrouve ensuite notre bande dessinée, intitulée ici « Mieux vaut tard que jamais », qui raconte l'histoire d'une lettre qui aura attendu 50 ans avant d'arriver à destination. Et enfin, on vérifie ce qu'on a appris en s'amusant grâce aux tests et aux jeux. Bien sûr, on trouve juste derrière les bonnes réponses et trois derniers petits conseils en rapport avec le courrier. Alors, convaincu, vous voulez devenir facteur maintenant ? Le livre est terminé, on peut le ranger et profiter du dessin sur le dos qui se constitue numéro après numéro. Et bien voilà, on en a fini avec notre facteur. Qui allons-nous découvrir la fois prochaine ? Ce sera la surprise. Je vous donne donc rendez-vous très bientôt pour découvrir un nouveau métier avec plein de petites anecdotes sur les Playmobil. J'espère que vous apprenez plein de choses avec moi sur ces petites figurines. N'oubliez pas d'aller voir du côté de la description pour avoir plus d'informations sur cette collection Altaïa et surtout pour consulter tous mes autres unboxings Playmobil, comme par exemple celui de ma petite ville, des maisons modernes ou du grand magasin. Si ça vous a plu, pensez au pouce en haut et au partage, et on se donne rendez-vous dans les commentaires pour parler des métiers Playmobil. On se retrouve très vite pour découvrir ensemble le prochain numéro, et pour être sûr de ne pas le manquer, il faut bien évidemment s'abonner sur YouTube et sur la page Facebook Unboxing Playmobil. Allez, à très bientôt dans le monde merveilleux des métiers Playmobil. Salut à tous!